Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Forcy Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec la Turquie, comme la fois dernière. La fois dernière, nous avons eu un petit problème, parce qu'il y a eu une émeute, comme par hasard, on a dit à l'Inde que vous n'êtes pas une démocratie. Il a pas dû le prendre super bien, je pense, hein, l'Inde, je suis pas sûr. Je crois que si, il a bien pris. Non. Notre réseau. Je ne sais pas. Enfin bref, tout reste à croire que c'est pas mal parce qu'on a une baisse de notre inflation liée à une augmentation de notre taux d'intérêt directeur. On a une baisse du chômage liée significativement par une augmentation de notre croissance à 4,14%. Croissance de notre PIB, bien sûr, hein, non pas de notre PNB, mais de notre PIB, ce n'est pas pareil, et oui, c'est important de le souligner. Alors, la Turquie, comme je vous l'ai dit, nous devons renforcer la liberté d'expression, et c'est tout indéniable. Ok, le droit syndical est reconnu et approuvé. Construction, énergie, enseignants, arts médias, agriculteurs, les syndicats, tout le monde m'aime pour le moment. Pour le moment. C'est une bonne chose. Les sectes, il n'y en a pas. Il y en a une. Et au niveau des partis. Multipartisme libre. Bah alors, dans je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je suis dans pas une démocratie? Le vote a eu lieu et le. Ah ben voilà. Un poison de contact. Notre réseau était. C'est génial ça, non? 82% de popularité. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour avoir une. Pour que ça soit parfait? Les contrôles d'identité, moyen. Allez, on va baisser ça. Parce que si on met fort, ça veut tout dire. J'ai quelqu'un qui m'appelle, il est de Paris. Je ne vais pas décrocher parce que je ne connais pas. Et oui, c'est comme ça. Moi, je décroche pas. Les gens que je ne connais pas, je décroche pas. Justice. On va demander l'adhésion à la cour pénale. Ah, quoique. Mieux vaut admettre l'indépendance des partis. Enfin, de la justice. Avant toute chose. Et oui, l'Afghanistan, salutations. Un ascenseur au sein même du siège des services secrets a été... Sûrement. Au niveau de notre IDH, est-ce que ça serait sympa que ça réaugmente pour le moment? On est quand même la 19e puissance économique mondiale. Terrorisme, d'accord, on est le 4e pays, je ne savais pas. La démocratie, ouais, on est 71e. Et ça va continuer à augmenter. Ce n'est pas un problème. Félicitations. Je tiens à vous féliciter personnellement pour votre popularité. La confiance que vous témoigne le pays tout entier mais oui. me touche. Mais et oui. Je me réjouis de travailler à vos côtés. Oh. Sans aucun doute pour de longues années encore. Mais c'est indéniable. Mais bien sûr, Cariton Abades. Putain, j'ai eu du mal. Bien sûr, carrément. Je suis l'un des meilleurs au monde. Et on le sait tous. Et on le sait tous. Notre réseau était par contre, pourquoi ma j'ai une baisse de ma croissance un coup? Ah, peut-être parce que c'est la liberté que j'accorde. Et vous savez que parfois les entreprises, ils préfèrent que ce soit une belle dictature que une démocratie. Vous savez, les entreprises, c'est comme ça. C'est intéressant, c'est pour eux. 3 milliards de dettes. C'est inadmissible. Un incendie dans... Ah, mais ils me font chier, hein. Tous ces terroristes. Avec un tel taux de chômage. Ah, c'est pour le chômage. J'adore le chômage. Mémoire animale. Wow, notre croissance, c'est l'empathie. Pas une belle chose, hein, ça. Ah non, ça me fait pas plaisir Bonjour. Du tout. Salut, Afghanistan. Eh ben non, ben non. Volons. Tiens. Notre pays doit faire face à de nombreux courants subversifs. C'est pourquoi vous comprendrez bien que nous sommes amenés à appliquer une politique cohérente. Ouais, bon, hein.
tant que tu deviens une démocratie, ça serait pas mal. Mais c'est pas ce qu'avaient voulu faire les États-Unis en rendant l'Afghanistan démocratique, sauf que ça a pas du tout fonctionné. C'est devenu maintenant le pays qu'on sait. Le vote a eu lieu et le bordel. Je présuppose que oui. Donc tout ceci fait, que notre démocratie est respective. On a dépassé la Croatie, sachant que la Croatie appartient à l'Union européenne. Donc, nous sommes une démocratie et nous pouvons donc adhérer à l'Union européenne, sauf qu'ils vont encore me rejeter parce que j'ai une inflation dégueulasse de 11% des prix, ce qui n'est pas une bonne chose. Ah là 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 là. Voici donc nos estimations de croissance pour la fin de l'année. Mais non, t'inquiète, ça va réaugmenter, le taux de chômage en baisse. Ah. Oh. Mais non, ça a augmenté, qu'est-ce que vous me dites? Ah, c'est bugué un petit peu quand même. Hein. Ah, on peut même... quand est-ce que c'est fini, le truc de la justice? Ah. Pas pour le moment. La peine de mort, elle y est pas. Adhésion refusée, pourquoi? Quoi? La Croatie y est alors qu'elle est moins démocratique que moi? Mais c'est une blague! C'est une blague! Bon, attendez, peut-être que c'est à cause de la justice. Ok, peut-être que c'est par rapport à la justice qu'il faut les rendre indépendants. Mais là, je suis en train de faire fonctionner la loi. Il faut attendre, vous savez, il faut que ça passe au Parlement, il faut que ça fasse ceci, etc. Ce qui est long. Le vote a eu lieu et le projet. Loi sur justice. C'est vraiment ben chouette. Allez, ça c'est fait. Et on va même demander à entrer dans la Cour pénale internationale. Tout simplement parce que nous sommes une démocratie. Et c'est je une rentre chose. De mon week-end en Suède, tu sais, pour le mariage de Lars et Peter. Oui. Tu nous as manqué. C'était génial. Excuse-moi. J'ai plein de dossiers. Et quelle belle fête. Oui. 150 personnes en comptant les familles et les amis proches. Oh là 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 là. Tu n'es pas encore fait légaliser le mariage gay. Ah, je sais pas si le Parlement va être content si je fais ça. Je dois vous signaler des mouvements de troupes inhabituels aux abords de nos frontières. C'est qui bouge? Qui? Où ça? L'Anatolie méridionale. Quelle troupe? Non, c'était pas ça que je voulais voir. Dossier retenu. Ah, mais il faut les faire voter. Les préparatifs. Et ça, c'est trop chiant parce qu'ils vont me dire non. Wow, ça lag. Pourquoi ça lag à fond? Allô? Je pense ça. Oui, on va leur dire face coucou. À cette menace. Notre réseau. Peut faire mieux. Ces troupes importantes. Okay. L'analyse prospective. Très bien. Alors, on a des petits militaires qui s'approchent dangereusement. C'est qui? Je le vois pas en fait, le militaire. Adhésion acceptée. Oh! Oh, ben c'est génial. Parce que pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en même temps, voilà! On améliore nos relations avec les autres pays. Et ça, c'est important. Sauf les pays antidémocratiques, non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça améliore nos relations avec d'autres pays. Et ça, c'est génial. C'est très important. La France, maintenant... Avant, on était vert clair avec... Maintenant, on est très, très amis. Enfin, on n'est pas hyper amis, mais on est bien amis. L'analyse... Ah, ben c'est génial. Alors, maintenant... 42, j'ai même dépassé le Royaume-Uni là. C'est pas mal, non? Le Japon. Ah bah oui, le Japon, comme par hasard. Et oh, on se calme là. Alors, est-ce qu'on peut le dire à l'ONU? ONU. ONU, est-ce qu'on peut les attaquer?
L'analyse prospective couplée au... Modèle de Brine sur la pseudo-tectonique. Force, je connais. Je connais par cœur. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais donc, on a beaucoup plus de chances de rentrer dans l'Union Européenne. Et là, ils vont pas me dire... Oh, vous avez pas assez démocratique. Là, c'est-à-dire qu'il y a un bug. C'est pas possible. Là, normalement, ils vont me dire... Ouais, pourquoi pas, quoi. Ouais, tu pourrais rentrer, mec. Sauf que t'as une inflation de malade mental. Notre réseau... Là, je serais d'accord. 10,87. Mais c'est génial parce que je m'entends avec beaucoup de pays, hein. C'est super. Ah, la Suisse. Mais pourquoi? Yes! Ah, je suis content. Ah, et juste parce que on considère l'inflation. Voilà, ça veut dire que on a passé le cap, le gros cap qui est la démocratie. Vas-y, je m'en fous. Déjà, ça s'est passé. Donc, ça veut dire que le reste, on peut rentrer. Et ça, c'est important. Important de le souligner. Par contre, c'est pas la Suède qui est dans l'Union Européenne et qui m'aime pas du tout. Faudrait qu'on soutienne ce pays parce que je crois que... Mais c'est la Suède qui est dans l'Union Européenne. C'est la Norvège qui n'y est pas. C'est bien ça. Rah, je le savais. L'Albanie y est ? D'accord. Ça va être compliqué d'un coup. Et on a une croissance qui baisse énormément. Et c'est pas une bonne chose. Attendez. Voilà. Voilà. Alors, on va baisser le temps de travail hebdomadaire en même temps. Ah. 58, hein, c'est pas mal. Il faut qu'on baisse ça, hein, c'est important. Comme ça, les gens travaillent moins. Ça fait plaisir. Bon, ça va pas être très très génial pour les patrons. Je crois que c'est les patrons, ils doivent pas m'aimer du tout. Ça, ça craint. Mais au niveau de la santé et sécurité sociale, on pourrait faire quelque chose, non? Lutte contre les perturbateurs endocriniens. Le problème étant que actuellement, on a beaucoup de problèmes au niveau... On a beaucoup de problèmes. Ah ouais. Donc en gros, dans mon objectif, il y a écrit démanteler au moins 1000 sites d'énergie fossile en moins de 3 ans. Et j'en ai 462. Ah. On n'a pas les centrales nucléaires. 2 terawatts. 0,20. 0,30. Éolien terrestre, pas mal. Maritime, ça dépend où on le place. Il faudrait un endroit où il y a très bonne. Non pas qu'elle est bonne, mais... Putain, stop. Ça suffit, Francie. Ta blague est pas drôle. Est-ce qu'ici c'est bon? Non, elle est bonne. Sans entourloupe. Bon, écoute, on va en mettre une ici. Ok, ils vont voter et j'espère qu'ils vont dire oui pour qu'on puisse attaquer la Syrie. C'est-à-dire qu'on pourra attaquer la Syrie tranquillement sans que tout le monde nous dise « Ouais, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» Non, personne ne pourra le savoir. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ah... 1,72. Moi j'attends. J'attends. Waouh, ma voix en plus elle est en train de devenir dégueulasse. Bon. Ça c'est important. Voilà, on a mis tout ça à fond.
peut me mettre ça à fond, quoique non. Quoique. Vous êtes en train de donner. Merci de penser à l'écologie, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est pas très grave. C'est comme ça qu'on voit les choses d'une façon différente. Oui, oui, c'est ainsi que va les choses. Alors, autoroute. Donc, on a plein d'autoroutes. Ah, il y a un membre permanent à poser son. Oh, c'est chiant. Écoute, tu vas relier jusqu'à là-bas. Waouh, on va faire des économies quand même. Pas plus de 1 milliard. Lancement des travaux. Pas plus de 1 milliard quand même. Ça coûte très très cher quand même tout ça. C'est pour développer un peu mon activité économique. Je crois même qu'on va baisser un peu l'impôt sur les sociétés. 5 milliards ! Ouah, non. Voilà, non. Oulala, c'est non. Si j'augmente ça, les charges patronales. Ouais, mais c'est pas cool, ça va pas les aider, quoi. Alors, j'avais un objectif, c'est exonération à investissement dans l'immobilier. 3 milliards, bon, on va les trouver plus tard. Hein. Écoutez, là, on a vraiment besoin de baisser un peu nos... Le vote a eu lieu et le... On a besoin de baisser, là, les... Est-ce qu'on a de gros problèmes? En vrai, qu'est-ce qu'on a comme un... Qu'est-ce qu'on produit énormément? Ah, ben, c'est génial, je vois pas. Économie. Le tourisme... Ah, ouais. On va produire du tourisme. Oui, c'est clair. Alors, construire des véhicules, de l'acier. D'accord, on peut même pas voir. Je pourrais le vendre. Est-ce que je pourrais prendre un petit rendez-vous avec Étienne Mitron et lui vendre mon acier? Enfin, vendre quelque chose, quoi. Parce qu'on en a besoin d'argent, là. Là, on en a vraiment besoin. C'est une question de légitimité de notre pays. On est en déficit. Je ne peux pas augmenter la taxe sur les activités polluantes indéfiniment. Donc, je reste sur ce genre de choses. L'organisme. Ça serait stupide d'augmenter la TVA. Les GAFA, en vrai, ça rapporte presque rien. Donc, ça sert à rien. Les transactions financières, je vais me faire plomber moi-même. Il y a trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs. Je crois qu'on dépense beaucoup trop dans des trucs qui ne servent à rien. Putain, on a presque 1 million d'enseignants, excusez-moi, mais waouh. Je crois qu'on va baisser les choses. Hein. Le remboursement des médocs, ouais, c'est pas le plus cher. Remboursement des soins d'hôpitaux, non. C'est quoi le plus... Mais c'est même pas ça, quoi. Notre réseau. Alors, rendez-vous, tiens, café, j'adore ton pays, et on va créer un petit contrat commercial, je voudrais te vendre mon acier, yes, on en a plein, écoute, moi j'augmente le prix, allez, je te le vends pour ce prix-là, allez, contrat d'amis, et est-ce qu'on a du bois? Oui, j'ai du bois, j'en ai un peu. Je vais te le vendre, moi, mon bois. Ah non, on va mettre 97. Yes! Merci. Brave. Bravo. Alors, on va regarder s'ils sont bons. Alors, agriculture, il y a le bois. Contrat. Le bois, c'est moyen. Et l'industrie. Contrat. L'acier, c'est bois, c'est pas mal. Ok. Eh bien, tant mieux. Écoutez, on va gagner un peu plus d'argent. Normalement. On va avoir un petit gain de boost de croissance qui est pour le moment très très compliqué. Je pensais pas que ça allait être un poil compliqué, mais waouh, c'est difficile. Mais en tout cas, notre inflation, là, notre inflation, elle est en mode wouh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 ou
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre une cloche, à mettre la cloche, à aller sur ma page YouTube pour me soutenir financièrement, enfin me soutenir, étant donné qu'on est encore sur le mois de juin 2019, tout l'argent que je gagne sur Utip sera reversé à l'association Handicap International. Mais pour le mois de juillet, m'informe qu'elle a l'opportunité. Vous pourrez me soutenir tout l'argent que je gagnerai sur notre réseau était partiellement sur Utip. Ça sera pour moi, voilà. Donc vous serez peut-être plus heureux à me donner de l'argent qu'à donner à Handicap International. Je sais qu'il y en a qui sont plus heureux de me donner que de le donner à Handicap International, enfin à des associations. Bref, notre cellule gouverne. Nous, on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. Et je vous laisse. 3, 2, 1. Ciao tout le monde.